son frère, mesdames et messieurs, grand fidèle de Dofus, Loïc Apotoréfer. Et ça ajouterait qu'il est top tiers quand même, mais c'est bien présent, la Walmardies, l'homme du tournoi des légendes, qui n'affronte pour le coup que des Français. On peut pas dire que les French Shussels, ici ça ne marche plus, ça ne marche absolument plus, plus d'intimidation possible. Et Razor qui attaque bien quand même. Il y a les Walmart qui a un tout petit peu raté, le bas moyen point étiré qu'il a fait en cours. Non, 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 trop tôt dans la super, il a voulu lâcher. Encore son gros point. Voilà, Walmart a juste pris la distance de 8 pour placer le chop. Avec encore une fois la mise à distance qui est bonne. Trill, il va lui chercher les embrouilles quand même. Le dash au port vient de loin. Avec un super qui peut aller dans le port de toi, c'est bien. Craqué de boxeur et on la voit à Walmart peut-être un tout petit peu moins sûr qui est dans le coin très rapidement à présent alors que il avait l'habitude au début du round de repousser le boxeur de Razor très loin dans le stage et si c'est lui qui se fait un peu pousser ça n'empêche pas de dominer ce match pour le moment avec le saut de poids encore qui traite c'est ce qu'il cherche Razor les trades mais les trades sont trop tardifs la super elle est là bien joué ce drill pour éviter la super il est passé juste au-dessus. Ça retouche, le dash au pair passe pas en revanche. Attention, il est obligé de garder Walmart qui est juste sur la défense. Et c'est Dalka qui est très rapide de Dalsim et qui touche loin. C'est un très bon coup pour défendre les décalages shop de n'importe quel perso. Elle a trouvé une ouverture, mais c'est Walmart qui chope. C'est la vie passe à boxeur et en version X. Faut déchauffer tranquillement, Razor. Voilà, c'est plutôt ça, c'est le même qu'il faudrait utiliser. Plutôt d'utiliser systématiquement gros point qui l'handicap. Oui, finish, elle a oublié finish. Dans le cas de l'Alka, de l'Ikoro, d'un Walmart qui s'approche peut-être du gain du premier set. Et encore cette super qui pose tellement de difficultés que Razor n'a pas. Bien joué, ça. Premier gap hein, de la part Walmart, le premier. Et ça, c'est mouche. Il n'utilise pas n'importe comment. Alors à cette distance-là, j'aurais plutôt vu une super sortir. Et visiblement, le Mega Flame a suffi. 1-0 pour Walmart, j'en fais le 7 en 3. Walmart le veut, son seul test, montrer qu'il est présent et prêt pour le X-Mania. Dans deux semaines, il va y avoir encore plus de niveaux réunis au même endroit. Et Razor qui a pris l'avantage, mais qui se fait maintenant dominer par le Zenith de la City. Et vous aurez le combat d'ivoire, c'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Le sang-froid de Walmart pour le moment, il ne laisse rien passer. Super ou pas super, voilà. Tu retomberas pas au sol. La prise des pieds et les poignets dans les dents Razor. Et ça saute en arrière immédiatement. Walmart qui finalement se dit que c'est peut-être stratégiquement pas trop mal de reculer de temps en temps par contre il a pris son dash low ou cette balayette avec encore un bas moyen point, on libère, Razor, il est juste un mix-up derrière ça, il y a tout au pouls. Mais oui, comme je vous les avais expliqué juste avant, le Valider Kick est un très bon anti-décalage et bien a été utilisé ici par Walmart pour anticiper la chope. Seulement Razor a anticipé qu'il allait anticiper ça, il a donc pris son BMK qui le mange. Voilà, contre deux comptes, le maguette dans le maguette et tout ça, les jeux de combat, tout ce qu'on aime quoi. Et très belle lecture du jeu de la part de Razor sur ce mix derrière super. Et Walmart est en train de dominer à présent ce deuxième, ce troisième round avec le gars du deuxième set. Au bout de la queue, on sort pas, il s'est fait trapper. Yoga feu avec encore un yoga feu. 2-0 pour Walmart. Il n'a pas perdu encore dans ce tournoi. J'ai même pas pu réussir à l'escroquer avec ma griffe, tu vois. Personne n'a réussi à l'escroquer avec une griffe. Marc est peut-être en position de s'offrir le tournoi du... Ah par contre ça j'ai eu la fire. Alors le B c'est une boule qui tue. Et il prend les décalages shop. Et le mix-up encore. Et là tu peux pas mettre le Pavilion Kick. Voilà il le met ici mais c'est beaucoup trop tard. Marc a perdu énormément d'énergie. Et qui prend et bien les reverse de la chair avec double touche. La Razor qui a été ultra agressif. Et qui a su tirer parti de cette première shop passée. Allez, immédiatement, jumping. Non, le headbutt est mauvais. Le headbutt est très mauvais. Il prend les deux balles, il y a encore un petit point, c'est un gros point, il repousse à Max Rage. Avec un pas arrière, Rudy Poe qui a fait double touche. Et Razor qui maintenant, en manque de vie, même si ça touche. Avec encore la super. Vous voyez, en fait, son style de jeu qui continue à attaquer avec des sauts gros points. Ouais, c'est bien, je me sens encore. Le maman à poil qui a cassé gros points. Le saut gros pied qui touche avec le dash au bord. Et Walmart qui tente le pack de match. Tout ce
le jeu de normaux de buffer ne charge pas la super. Et du coup, handicap, les autres ne peuvent pas revenir comme ils le voudraient. Parce que sa super ne l'a jamais dans l'aura, si vous regardez bien, ou très très rarement. Le marque de prendre une très bonne sur moi, la tâche bah, la punch, et toujours le dernier kick, en tchambouille, Gunka, Yonataya, Walmart pour sa balle de match, peut-être 3-0. Et le gars du Stockfest la suit, avec encore un grand pied, et le petit point, la défense. Ouais. C'est pas facile, croyez-moi, c'est pas facile. Quelle défense incroyable. Il l'a battu 4 fois. 4 fois durant le week-end. Est-ce que cela va suffire? Qu'il est vu, évidemment, dont la marge de progression est toujours plus intense. Il va se faire bourrer. Il va se faire bourrer, petit tour. La France contre le Japon, c'est la grande finale de ce tournoi, de ce Stunfest 2013. Merci à tous évidemment d'être là. On finit de trouver les premières ouvertures de garde sur ce set rompé. Attention, les bagages. Oh là, pas moyen, sous Spark. Mais même pas les spirales. Je ne sais pas le chose, je sais pas ce que c'est que ce rompé. Mais qui n'est vu, il est pas prêt. Oh là là, il est sérieux. Allez, son gros poids, c'est le moyen pour Chop. Et donc, il s'aime, il lui cherche des embrouilles. Oh, franchement, la chope. Et c'est une chope dans le coin. Donc, il va être difficile. Oh, il a complètement raté. C'est pas physique qui n'est vu. Du coup, il s'en sort très bien. L'outil de ça, ça c'est complètement fait. Il n'a plus qu'à le tuer. La gratuité d'un homme et un premier, oh pour déjà c'est direct, il n'a pas embrouillé avec un autre track, ça c'est passé, je te le fais savoir, avec la position choc, qui aurait pu être échauffé, alors pas comme ça, le car choc, il est tout le temps avec sa mec, juste aucun sens, mais voir, voilà, ça c'est pas grand problème, même qui n'espère à la ronde, au qui s'aime à suivre, c'est tellement bon, c'est ça qu'on a, la garde est bonne, et la gâche qui est bourrée, avec le cocktail de l'échauffe spirale, puisque le coup n'est pas safe dans la garde, c'est-à-dire qu'il peut se faire fuir, ça fait encore attention, et on claque les satellites, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Il est lui qui recule tout ça, il va aller choper quand même. Ou pour il fait dans strike avec la chambre à la relever, il sort arrière bombé, il n'a pas touché, il backdash. Toujours pour se mettre à distance, on va prendre le vent de l'entier. Ah, la présence à saving, cela dit ici, avec la balayette qui lui finish. La tentative de chambre qui débute, qui ne s'enverra pas. Vous voyez, impossible de s'envoler, le super casse absolument tout. Les tentatives de prise de ciel de qui débute très bonne prise. La tour des flèches, par contre, les strikes sont ratés. Mais la chambre en chambre de Luffy qui en a profité de ce moment de flottement, de folie, puisque le match est fou là, réellement complètement fou. Pour essayer de punir avec un lâchant en choc. Attention aux distances, c'est très important de respecter les distances, pas taper là-dessus. L'inspirale à roue encore encaissé avec le crossover qui a gardé. Oh la bourrée! Et le start-up de l'inspirale qui est cassé par la choc. Qui s'est lui qui a trouvé? Mais qui n'a vu qu'il reste à prendre des satellites? Est-ce qu'il bourre le strike? Il est dedans, une dizaine de satellites, ça n'a pas touché. Oh, oh là 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 là. Le satellite qui était pas positionné, qui n'est vu que je reprends mon top kick avec une barre de super. Bien gavé à présent, bah moi il y a un sous-spirale, avec le gros save, attention, attention les champs, bah non, on va avec spirale à rond, le gros save encaissé, et le fort reset shop, avec ce setup d'achat dans un petit jump shop, déchopé par le fou, je ne sais pas comment je peux déchopper ça, sincèrement ça c'est pas sec, le mieux que savoir, c'est la question de moyen point, spirale à rond encore une fois, et le strike ça va, qui pleut, ça pleut, ça pleut, sur le plus loin, voilà, tu vas essayer de reprendre un peu ses débris, ouf, il fait chaud. C'est complètement chaud, ça passe en plus. Les satellites qui ouvrent la garde avec cette chope bien échauffée par qui n'est vu, qui se retrouve dans le coin et qui strike pour sortir du coin. Et une fille qui avance, qui ne recule absolument jamais. Et toujours en avant, gros pied qui est là, avec ses fins de série, attention à ça. Et le strike en question, c'est pas bon, c'est pas bon. Et la vidéo soit lourde avec le pied qui prend, mais le deuxième qui est raté, le pied qui fait sans sortir de ça. Avec le coin, c'est sérieux, qui n'est vu là. Oh. Ah, c'est la zéro pour qui n'est vu. À la roue à la relever. Il est pas sérieux. C'était assez fou. Et t'as y croit, il est à fond. Il est complètement à fond. Une fille qui va pas se faire prendre dans ce jeu-là. C'est compliqué, évidemment, je vais tenter de fou. Encore une fois, de faire allez la balayette et son moyen pied, c'est un fake crossover bien gardé par toute début. Et la phase d'après, safe, est elle aussi
parfaitement gardé. Gros point spiral, mais en plus son gros, ça c'est en prévention d'un éventuel backdash qui fait vraiment gros pied ici. Et lui qui reste bien sûr au sol, pas de vraiment rien pied spiral en haut. Qu'est-ce qu'il arrive vite, très bon backdash de la part de Luffy, prend pour le moment tout en garde et qui garde l'avantage de l'énergie quand même assez conséquent. Flair, toujours là, mon gros pied. Encore un counter. Et là, c'est vite backdash, super arrive sur les 5 minutes, c'est un très bon coup aussi, le step sur le phare moyen point de Kali parce qu'il tente c'est là. Bon, c'est pas bon, la mise au sol lourde avec elle. Là ils ont un mental d'acier, ils sont super bien placés, oh, très bien joué encore ça, il fait un petit point décalage, il sort les strikes, et sa carotte la déchoppe de Luffy, qui prend encore les strikes, non les dents ça s'est passé, oh là il va pas s'en céder, ça a étonné qu'il débute du coup, il a pas pignot, c'est quoi ça, super il sort dans le mauvais sens ici, on sait pas réellement ce qui se passe, ça devient un peu fou, voilà, et comme on va rater, et comme je disais malheureusement, vous pouvez pas faire grand chose, voilà, éclate les satellites, attention à la descente quand même, pied. Voilà, ah je suis trop bas, après il est petit trop bas, beaucoup trop bas, après le bagage est anticipé par Luffy qui passe ça. Allez, deuxième, encore ce Luffy absolument un chômage, mangeur de l'eau et indéfendable, qui est le close MK de Rose. Non mais si, la victoire de ce deuxième round à Luffy. C'est vraiment tellement de bon, alors encore une fois. Allez, boum, le dragon point spirale en punition de ce dragon dans le vent, avec la bonne garde et la bonne déchotte de Luffy. On rappelle à quel point tout le jeu, quasiment, la totalité va se jouer sur la défense. Encore un son trop placé en IX, avec la mise au point. Non, on va pas lui sauter dessus. Inutile d'aller chercher les embrouilles. Il a pas tenté de faire un dash en avant, très bien pris par Kidébu. C'est un post-mine knuckle. On va passer choc, avec le visé mais le corner, avec ce strike, pas gros pas, pas les yes, et le random. Il reprend Anderson et 2-0 pour Kim Nabu. Oh là 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 là, et ce retournement de situation avec ce diable gros string venant de nulle part. Et 2-0 pour Kim Nabu à 2-17. En tout cas, il a commencé à prendre un petit peu sa revanche. C'est avec Luffy d'être assez fort pour réussir à s'adapter au jeu qui débute, qui est de plus en plus fort, notamment au niveau des comebacks. Qu'est-ce qu'il revient bien lorsque Luffy est posé dans le corps. Bon, sous le parc, parce que quand ça passe en garde, sous le parc, c'est juste qu'il continue à sauter. Ça ouvre un peu le jeu. Ouais, il a essayé de choper, mais c'est la distance sec. Et il a fait airshop, hein, qui début, il se pensait que ça allait pouvoir faire contrer le sous le trou de Luffy. Ça c'est intelligent, c'est comment ça faire ça. C'est bien sûr, on va faire comme ça. Il n'y a pas de confiance. Ouais, faut pas cacher. Pas d'embout. Faut pas s'y envoyer. En plus, il y a des qui passent se sauver, Luffy là-dessus. Encore une fois, la mise au point. C'est en bateau qui début, la bonne garde. Faut courir. Voilà, le satellite. Bon, le buzz se prend. Voilà, embrouille. Le deuxième passe pas, ça backlash. Il y a beaucoup de barres de super quand même. Et Luffy, qui va tuer. Et ouais, Spoutnik qui reste là longtemps, autant la station vit en même en boule. Et Spoutnik qui reste toujours là. 1-0 pour Luffy. Toujours, voilà, il se joue trop. Il restera pas, il va se prendre. Je vais juste casser. Ça va vous prendre maintenant tout la super gaspillée. Par qui le début. Pas très grave, il a essayé de casser la strike avec le phare gros point de Rose, qui est assez intéressant aussi. Les choses qu'il n'a toujours pas fait au cours de cet affrontement, et qui n'est vu qu'il essaye de carotter, évidemment, les sous-trons, et à chaque fois qu'il n'y a pas de distance, vous devez, encore une fois, que c'est le top de ce gros point, arrêtez, non, ce qu'il va prendre. Il va le bouffer, le rouvrir à la haut, et il le mange. Les sous-trons cassés, la garde qui est bonne avec cette bonne échoppe de la part de Luffy, voilà, c'est le gros pied, il a toujours l'avance à l'énergie, je le rappelle, il a voulu encore se ramasser, il prend Mamiam qui se tire à la haut, voilà, sous-trons pour sortir de là, et il ne punira pas, qui n'est vu. L'avantage est donc perdu pour le joueur japonais, puisque c'est lui qui se met dans le coin, et lui, c'est la première. 2-1. Oh là là, les yeux, mes aïeux. 2-1. Et Luffy qui s'adapte peut-être de mieux en mieux, même si les frayeurs sont là. Attention, encore le visé, l'ouverture de garde, c'est le step. La garde est bonne, avec le braquage de Luffy qui s'enfuit, voilà. Bondi, c'est un petit lapin.
très loin de ton adversaire. Par contre, dès que tu as décalé la chasse, ça n'a tellement pas de sens que l'outil n'échappe pas. Enfin, au moins, avec la cage du crâneux, ça a été difficile de revenir dans son radar. Et tu l'as déjà fait plusieurs fois. Ouais, dès que tu as caché, on n'a absolument rien à faire. Là-dessus, si tu as perdu la distance, on va aller top sous le trou parce que peut-être qu'avec les satellites, tu auras tombé la plus distante. Bon, d'un je le chope là. Qu'est-ce qu'il va nous faire en dixième? Il a juste quitté début sur Roger avant gros pied dans la semi. Quand c'est le paradage, il a quitté lui, tu trouves pas le perso là-dessus. Et ce serait qu'encore dans le vent, le fil t'a encore absorbé un peu de l'attaque de Kidlu pour essayer de recharger éventuellement. Deuxième ultra, ça va être compliqué quand même. Non, on va essayer d'éviter ça. On va bien faire sous ce barre plutôt que sous le spirale. Concernant ces barres de super qui vont être importantes, voire même déterminantes. La bonne glissade avec le sous spirale. Ah, c'est vite qui absorbe pas malheureusement ce groupe, il se retrouve encore avec de moins en moins d'énergie. Il hésite à sous le trou dans les jumping de Kidlu, la super qui est là, mais ça fait pas assez de dégâts pour tuer Camille. À ce moment-là du match, il faudrait mettre un avant gros pied, moi c'était le gros pied de loin sur un Kidlu qui a vraiment en mode ultra prudent. Aucune embrouille ne sera tolérée. Kidlu ultra solide qui se fait quand même pousser. Il s'en avec 7 gros pieds, il reste 17 secondes au compteur. Le beau matage de la porte de Loupi. Il fait un test de l'opérale avec le Téléogar. Et ça court le dragon. Aucune main pour tenter, hein. Aucune. Et je l'ai vu courir. Et je l'ai vu. Voilà, ouverture de garde par Kidlu qui veut reset le matin, il en a là-bas, la possibilité maintenant. Oh, encore une chope, avec ses top à suivre, et grosse, c'est parti pour la tête gros point. Et Spirale en hockey là, pour sortir de là maintenant, voilà, ce Spirale en train de sortir de là. On fait des satellites, et on va essayer de refaire tomber un peu. Là, purée, il y a des chopes entre les satellites, deux top chopes entre les satellites, deux demi-lobby d'anti-backdash, avec le 7 groupie qui a terminé, on regarde la kick baby qui s'est absorbé, et ça par la satellite, bien joué, le kick spirale en haut, avec encore sur la rampe. Ouh, mais je sais pas ce qu'il a fait, mais finalement il a laissé Loupi se relever, Loupi qui est obligé de prendre ça dans la garde, qui n'a pas déchopé, très prudent, ça c'est safe, le 7 petit point ne va pas finir, mais c'est là du coup le plus rapide, bien joué, c'est plus de sol, bien joué, le 7 groupie, l'avant groupie encore est là, pour sauver peut-être la balle de reset, la kick baby ultra prudent, qu'est-ce qu'il va tenter, quand il va bondir. Quand est-ce qu'il va porter son attaque? Il est plus proche du coin, avant Gopi ne peut pas sauter. Ouais, il ne peut pas sauter. Il ne peut pas. Balle de 2-2 ou balle de reset, un point d'une importance extrême. Avec l'ouverture de garde par Kinelli sur 2 AMP au battage de Luffy, mais ça savait pas trop bon pourquoi. Pourquoi ça n'est pas trop bon toutes les distances, ça? C'est vraiment terrible. Oh, il prend Spirale, oh, attention, cross-up! Et le ex Spirale pour faire le maximum de stun. Avec ça, c'est pas safe! Encore une fois, Philippe a un petit point, un moyen point. Et le Hamilton, c'est l'ex de cette phrase, c'était quoi ça? C'est pas café! Et prends ça, oh, le mec, le sous trop. Le combo qui est remplacé par Luffy, qui a tenté un comeback de nulle part sur le temps, Anthony. On se dit pas tout nez avec encore la plus grande de pas bon sang. Et il a tué. Et il a tué l'intelligence du jeu. L'intelligence du joueur. Et juste mon diète. Tout de suite. Tout de suite. 2-1. Balle de reset. Ça va dans la carte extreme. Est-ce que vous avez une Rihanna pour ça veut jouer encore plus sale. Est-ce qu'il y a une possibilité que je joue plus sale qu'avec Camille? Oui, je te dis. Je peux même prendre 7 si je perds après. Qu'est-ce qu'il y a? Ryan, tu connais bien les conseils. Tout ce que Luffy a fait pour s'adapter au match-up Camille va devoir être un tout petit peu revu pour s'adapter au Yoon de Kidlu qui est pas le Yoon qui déconne. Hein. Attention, ce booster pick peut être décisif pour le suite du match. Ça met un peu de Shiver Dash. Attention, pour moi, il y a le combat arrière, l'attache en trois temps juste après. Bien gardé par Kidlu. Et c'est tendu qu'il y a l'option de faire chaud. Le casse, c'est chaud encore une fois. Le casse, c'est la bonne balle, mais c'est chaud dans le booster. Et le exo souffle qui casse le pack ici. Et je comprends pas là, immédiatement. Sous satellite, je sais pas comment. Est-ce que Yoon gère finalement avec sous satellite de rouge? Et bien, Kidlu le gère avec Il recule et il mange encore, pas de pif, toujours pas de pif, donc Kidlu qui prend un bon gros pied. La canne qui débute par un bagage, ça c'est pas sec, oh j'ai vu Torel, s'en fout, il aime ce Zécho avec le Dolkan, si, Zécho mise au sol. Pas de match pour Loupi. Pas de match pour Loupi, qui n'avait pas de quoi dans le télé sur
Pascal, c'est capoter tout pour le coup, c'est ça qui ne pas mourir sans son pif, c'est savoir les illusions au bon moment. Et qui début sur une qui ne rigole pas du tout. Elle essaye bien qu'elle s'est vraiment rien voir. Il a des satellites aujourd'hui, pas sorti le soir, il va pouvoir mettre sa garde. Oui, il peut mettre sa garde, il sale. Avec la chance bien échauffée par son début, qui va cacher, avec les nails activés. Avec les nails, il peut tout changer évidemment en ce match-up. Surtout que, aujourd'hui, là, en ce moment, il a bien l'avantage énergique. Bon, fort, il remet ses chauds pour la mise au point. Les fanops, je ne sais pas, dans son backdash. Du coup, la macro est encaissée. Avec le backdash, je ne sais pas, il a fait sortir du point, je ne sais pas comment. Mais la chope chopée, ça s'est passé. Et il est ce dit chaud, avec ses chauds en jungle, et il fait chaud à la langue. Alors là, c'est très 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 chaud, justement. Soit balle de match, soit balle de reset, avec un grenade dans le tiroir. C'est le point du match pour Alain. Oh là là, petit backdash, le Daily Show ici. Et c'est seulement les points qui ne rattrapent pas. Et encore des amis qui viennent se voir sur Rose. Dans cette distance-là, le groupe qui ne rentre pas. La Luffy qui est maintenant prostré dans le temps très même juste à 30 ans. Oh là là là, le Kenny sur le jeu incroyable de la part du joueur en français. En revanche, c'est un la chope là, on peut bien jouer par le début. On blague les satellites et ça va backdasher, backdasher. Nigero, Nigero, Nigero. Il s'enfuit qu'il débute. Il s'enfuit et en profite aussi pour gratter avec quelques sous-stars. Bien joué ça, la tentative de chope. À la fin du dernier satellite, backdash immédiatement en rentrant le stand-up ici. Attention, c'est intéressant du pied. Là encore à distance safe, il se replie immédiatement. C'est prudent, c'est très prudent que Luffy a choisi de jouer. Voilà, ça aurait pu faire encore plus de dégâts. Le big attack avec où ça aurait pu être puni, ça par ses rentrées. Ressous-stars, il n'est toujours pas de saillie dedans. Moyen point sous-stars, le backdash avec le F-Supera dans le droit. Luffy remporte le Surfers 2013. Les autorus est à Kip Kevu. Il a tué les trois. Mesdames et messieurs, un premier applaudissement. Luffy, 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 Luffy. Au point du jeune joueur français.